Je m'appelle Jérémy Rouchon, je gère le SenseSpace, donc qui est l'espace collaboratif de Make Sense, qui a pour but d'aider les entrepreneurs sociaux à résoudre leurs défis. Et on le fait en mobilisant des bénévoles à travers le monde et c'est une plateforme ouverte à tous. Nous, c'est la maison de Make Sense, donc on a à la fois les équipes Make Sense, les startups incubées et des startups résidentes. Et on est aussi le lieu ouvert au public pour la communauté Make Sense. Nos objectifs, c'est résoudre les grands défis fixés par l'ONU, raison d'être, c'est de réussir à donner envie à tout un chacun de pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. On croit beaucoup en intelligence collective et en donnant les outils aux personnes de pouvoir créer et d'apporter des idées, on peut aider les entrepreneurs sociaux. Quand ce matin, on récupère des casiers avec des cadenas, je sais que les gens vont être contents parce qu'ils vont pouvoir remettre leurs ordi. Donc c'est hyper stimulant de se dire que quand tu fais quelque chose, tu as un impact direct. Ce que j'aime aussi, c'est d'être un connecteur. Donc avec plein de startups qui ont des super projets, de les connecter. Donc on accueille des startups sociales, donc qui vont être soit des associations, des entreprises, qui vont résoudre des problèmes sociaux et environnementaux avec un modèle économique. Alors qu'au recyclage, je ne sais pas comment les remercier. Nous, on se dit qu'on peut récupérer du mobilier qui allait être jeté ou incinéré et leur donner une seconde vie. Je le soutiens et donc voilà, j'adore la démarche de donner cette seconde vie. Vous pouvez rendre service à plein d'associations, vous pouvez leur permettre de donner vie à leur projet juste en donnant une seconde vie à votre mobilier. Donc ayez le réflexe de faire appel à co-recyclage.